Bonjour, bonsoir. Je retourne pour une autre vidéo. Je prends un petit temps pour me dire un grand merci à tout ancien et nouveau abonné ou même qui toujours partager, commenter, like. Je dis un grand merci. Et ou même qui passe sur Télémagazine qui poko abonné. Je invite vous, s'il vous plaît, abonner et pas oublier activer cette cloche là à chaque fois que moi poste un nouveau zin pour capable recevoir notification mwen yo attend. Rosemont Jean dénoncé la police à cause des journalistes que la police yo te sacrifié en babal. Fait qu'on est que et Ariel Henry qui c'est un suspect nan la mort Jovenel Moïse yo pa jam ka di yon mot à ça. En pilote cause parler, n'a poste vidéo pour capable tande tout ça que te parlé yo. Matin Founod qui est le Front National des organisations de résistance pour Haïti stable et démocratique, voulait fixer position sur trois points qui ont fait l'actualité en deux pays. Premièrement, nous voulons condamner de façon fermement, sans réserve, façon la police agent en d'institution police nationale là assassiné journaliste Lazare. Pour nous son scandale de trop et nous condamner assassinat ça pendant n'a présenté sympathie nous condoléances nous à famille journaliste Lazare et bon rétablissement à journalistes qui blessés dans le cadre d'exercice fonction. Nous pensons que ça, c'est un assassinat. Et la direction police nationale a dû prendre toute responsabilité pour rejoindre un assassin qui est en dedans, corps police nationale qui a assassiné journalistes. Et fait tentative d'assassinat sur l'autre journaliste qui trouvait au Cognac l'hôpital ou du moins en convalescent la CAIO dans le cadre d'exercice fonction. Nous-mêmes dans Founod, nous condamnons Jean de Zaksa et nous demandons pour que la justice soit capable de dire le mot du doigt concernant Zak Krapulisa. Deuxième point que nous gagnons, qui intéresse nous matin en venant devant la presse encore, c'est acte, comportement et action ministre James Kader, qui est ancien directeur ou ancien policier, qui était directeur 10, qui en dedans, qui aujourd'hui vient remplacé par Agence nationale des aires protégées. Qui c'est BESAP, qui gagne une entité, côté BESAP là, côté Mdadi, ANAP là, gagne en dedans, yon direction qui relève BESAP. Moi, entendez, vous ne voulez pas croire, est-ce que c'est vrai, ministre James Kader, non seulement est-ce qu'elle te font un communiqué sorti pareil, ou du moins est-ce qu'effectivement ça a dit c'est vrai? Parce que pour moi, c'est un plus gros scandale, c'est un plus gros, on a dit, acte malhonnête que le ministre a posé. Et s'il pose ça, à qui profite le crime? Pour qui moun? Pour qui est-ce qu'il prend telle décision? Et c'est pour ça, maintenant, nous venons là, non seulement pour nous condamner. Mais tout pour demander ministre James Kader, qui fait partie du gouvernement de facto, ou du moins qui associe avec sa relé, et monsieur Ariel Henry, l'un des suspects potentiels de l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons besoin de connaître est-ce que ce projet qui a continué. Puisque jodi a une campagne, il y a une volonté manifeste
en dans pays pour décentraliser ça relé le banditisme, ça relé gang armé. Mais nous connaissons des zones dans deux pays, surtout le Grand Nord. Bandi pas arrivé envahi dans ces deux zones là, c'est par rapport avec Bessap que nèg yo vinn créer une stratégie pour faire Bessap la vinn paraître tant pour yon bagay criminel qui fait comme une institution qui fait des bagay qui pas ça, mais avec un seul objectif: comment disparaître des institutions qui bail service à pays et puis pour faire place net à bandi. On va prendre trois exemples pour m'expliquer ça me dit. En 1988, pour négocier travail pour aboutir à sa relais la démobilisation, pour sa relais à craser institution militaire. Bah qu'on est à l'époque Lavalas, Aristide, tout met ensemble, nèg qui prend frère, petit, yo madame yo, yo voye yo al casser Accra, magasin Accra, et puis avec uniforme militaire, et puis yo dit l'armée dans Zinglendou, mais l'armée al casser ka Accra, l'armée al fait Zinglendou. Mais pourtant, je dis à nous regarder, de nombre d'années, l'armée démobilisée, écrasée, il n'y a pas jamais de bon militaire démobilisé dans la gang dans le volet. Alors que l'institution a fait croire que c'est eux qui t'a fait tel acte, qui t'a commis tel acte. Ou bien, nous, anciens militaires, plutôt, nous avons bourré en bas, quoi de vos salles, qu'on joint ni, l'a fait 100 000, 200 000 dollars dans le kidnapping, dans le vol. Or, ça c'est une. En 1994, avec le retour d'Aristide au pays, où jeune n'a démobilisé un paquet militaire dans le palais national, il a tout de yo exam. D'après grandi ça relait nèg exam dans la rue. Aristide prend pouvoir en 1990. Au lieu il mettait livre à plume dans petit monde. C'est Timoun 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans, Zaman en main. Et puis photo Aristide, Marine encore, M1, Galil, etc. Dans le cadre de mobilisation, bagaille, l'armée rouge, tout le monde connaît. Eh bien, qui ça s'avine bail comme résultat? Timoun qui est 10, 10, 12 ans, 13 ans à l'époque, je dis à l'avine 30, 40 ans, l'habitude à l'argent, c'est pas de l'école l'idée. Qui sème le vent? Vous contre la tempête, n'est-ce pas? Ça veut dire Timoun ça aussi à l'école yo té yo di a t'a pour à l'université yo t'a bien base t'a bien formation t'a bien des services au CTA. Mais le fait que ces âmes nous te maintenant mais ça vient tourner yo vient tourner gang armé et c'est ça nous planter l'on fin planter ou pas qu'à récolter l'autre bagaille que ça là. Ensuite et après départ en 2004 nèg yo fini pour paquet militaire et il est membre IGPN qui te n'en parle, yo voye tout de yo à tout zam nan men yo. Mais ça qui mène nous, nan Katchouboumbe, nous trouvons jodi ya. Jodi ya, l'orive Matissan, gang armé. Ou yve Cité Soleil, gang armé. Ou yve Kwa de Bouquet, gang armé. Katsamarozo, Izo, Tilapli, etc. Tout ap mette gang kapé. Parce que, meilleur moyen, l'on pas gen vision, ou pas gen projet, ou pas gen capacité politique, ou obligé chercher des moyens de d'intimidation pour prendre population en otage. Comment comprendre mwen gagner par le national qui a un budget exhaustif? Nous ba mission pour veiller yon président de la République. Malgré fortune l'argent mette dans même policier sa yo. Peut-être 1000 dollars américains, yo livre au président de la République. Pour 1000 dollars américains, des policiers qui font partie d'une institution aussi prestigieuse que la police nationale, une institution aussi prestigieuse que ça, le IGPN, une entité pareille, pour n'y avoir tellement de difficultés, peut-être 1000 dollars, yo baille un président, yo d'accord, yo assassine un président américain. Voilà qu'un parlement pour craser l'institution, ça, qui c'est la police nationale d'Haïti. Comment comprendre que si tes monde la plupart policier qui tombe dans kidnapping gain qui tombe dans vol armé, mais c'est normal son institution instance qui là pour sanctionner you voyou yon délinquant qui infiltre une institution laisse ça institution à plus haut niveau
la prend les décisions qui s'imposent par rapport à bandi qui commet tel crime, puisque nèg ki go avocat yo di, yo di tout moun la responsabilité pénale est personnelle. Si la responsabilité pénale est personnelle, eh bien, ou pas qu'à prendre une institution tant qu'un ANAP qui créé, qui a arrêté présidentiel, qui a une loi qui vote, qui mette l'institution à camper, qui c'est l'Agence nationale des aires protégées. Agence